Bonjour, je m'appelle Baptiste Delaunay. Je connais le baltrad depuis petit, mais je danse vraiment depuis 2011 en participant à des bals, des festivals, des stages de danse. Voici un petit film pour présenter les ateliers que j'anime sur les danses néo-trad, ou trad actuelles, ou folk. En un mot, les danses du baltrad d'aujourd'hui. Cette vidéo a été réalisée en 2016 à Morse, dans le Cantal. J'y animais un atelier bimensuel depuis 2013 et ce jour-là, c'était la première séance de l'année sur la valse à trois temps. Voilà, on a tiré sur tous les mouvements du haut vers le bas. On va remonter en faisant tourner les articulations. On peut appuyer ce pied en posant le poids dessus. Et du coup, c'est l'autre qui est déchargé. En gardant le poids de ce côté-là, on va toucher le sol avec l'autre pied. Alors forcément, on n'y reste pas puisqu'il n'y a pas le poids. Et c'est parti. Tout le monde, le pied gauche en avant, le pied droit en arrière. On va chercher à écarter les deux parties hautes du corps en s'adossant dans la main de l'autre, comme si on était sur le dossier d'une chaise. Là. On change de partenaire, on voit si ça marche aussi avec quelqu'un d'autre. Allez, on change. Et c'est reparti. Vous invitez quelqu'un. Bonjour, qui vient danser la valse. On ne commence pas à danser comme ça. On va commencer à danser comme ça, de ce côté-là. On est d'accord? Ok, on peut y aller. On a la tête qui tourne. Quand on perd une certaine conscience, c'est-à-dire la conscience que nous, on tourne avec notre partenaire dans un lieu qui ne tourne pas. Et vous êtes placé aussi dans la salle pour suivre ce fameux sens du bal. La vidéo s'adresse aux organisateurs d'événements trad, mais plus largement à tout le monde. Je souhaite transmettre ma façon de danser et de voir le bal trad d'aujourd'hui au plus grand nombre. N'hésitez pas à me contacter pour animer des ateliers, stages, soirées. J'adapte bien sûr le sujet et le niveau aux attentes des participants, qu'ils soient tout à fait débutants ou bien habitués des bals. A très bientôt sur un parquet.